conforme à l'ITIE, cela signifie que le Burkina Faso dispose d'une démarche de divulgation périodique des revenus issus du secteur minier et que ces chiffres sont disponibles et accessibles au public. Cette conformité obtenue en février dernier doit être confortée dans le temps. C'est pourquoi il se tient en ce moment à Ouagadougou une rencontre au cours de laquelle une programmation nationale de post-conformité est discutée. Nous reviendrons dans ce journal sur la grande soirée d'hier où l'excellence était de mise, des reconnaissances de la part des institutions nationales et internationales et plus de 22 millions de francs CFA ont ainsi été octroyés aux communicateurs les plus méritants. La 16e édition des prix Galien à revivre donc dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Avant de développer ce titre, ce communiqué, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine au Burkina Faso, placée sous le très haut patronage de Son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouagadougou le lundi 20 mai 2013 à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. Direction à présent l'hémicycle où hier il y avait du football. Rassurez-vous, juste dans les débats, puisque deux questions orales sur le sport roi ont été posées au premier responsable du département ministériel. Le gouvernement a également eu à répondre à d'autres préoccupations des députés, portant entre autres sur la mutation des centres de santé, la fraude douanière ou encore la toxicomanie. Retour sur les 7 questions orales du Parlement dans ce récit signé sous Grinoma Ibrahim Guigma. Le ministère des Sports et des Loisirs est interpellé par deux reprises, d'abord sur cette affaire dite des décorations des étalons, puis sur les politiques et stratégies en faveur des centres de formation en football. C'est très sportivement que Yacouba Ouédraogo apporte des éléments de réponse aux préoccupations des députés. C'est seulement le manque de médailles en son temps qui a fait que certains membres de la mission, notamment de l'encadrement technique, n'ont pu être décorés. Une situation qui, du reste, sera rattrapée par la décoration de 25 autres personnes restantes. Sur la deuxième question, le ministre en charge des sports rassure que les textes sur l'ouverture, le fonctionnement des écoles et académies de football sont en cours d'élaboration. Par ailleurs, l'État s'est engagé à rendre plus attractifs les championnats nationaux et à faire la promotion des joueurs de moins de 17 ans. Passer le sport, place à la santé, également deux questions au gouvernement. Elles portent sur la toxicomanie et la transformation des centres de santé et de promotion sociale, CSPS, en centres médicaux, CM. Pour le gouvernement représenté ici par le ministre en charge de l'action sociale, la toxicomanie est un problème universel de santé publique qui prend de l'ampleur au Burkina Faso. Mais le pays se dote des moyens de lutte efficaces. Il en veut pour preuve la création du Comité national de lutte contre la drogue et l'introduction des modules sur la toxicomanie dans la formation des personnels de la santé. Quant à la transformation des CSPS en CM, Alain Zoubga rappelle qu'elle fait partie de la réforme du système de santé au Burkina Faso et répond aux besoins actuels de mieux-être des populations. 343 CSPS en milieu rural et urbain sont concernés et à terme, 500 structures permettront d'avoir un accès direct à un médecin contre 82 structures actuellement sur toute l'étendue du territoire. Après le carnet de santé, ce sont les pages de l'économie que les députés feuillettent et en hauteur avec le ministre Bembamba. Une tour à 25 étages est en projet de construction à Ouagadougou et les députés veulent savoir qui en est l'initiateur et à quelle fin. Le gouvernement garde les pieds sur terre et soulage plus d'un. C'est une initiative entièrement privée d'un couple suisse et burkinabé qui va coûter 175 milliards de francs CFA. L'État burkinabé n'est ni actionnaire ni bailleur
économie toujours, la lutte contre la fraude. Que compte faire le gouvernement face aux bandes organisées de fraudeurs, souvent en caravane, sémant la zizanie là où elle passe, défiant l'autorité de l'État et narguant les agents des douanes. Marie-Noëlle Bembamba expose les causes et les effets de ce fléau avant de s'apesantir sur les solutions apportées par le gouvernement. Renforcement du dispositif de surveillance, campagne de sensibilisation, renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité et de défense, et on en passe. La dernière question au gouvernement pour cette séance porte sur la cohérence des programmes et projets exécutés dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD et le programme présidentiel Bâtir ensemble un Burkina émergent. Le ministre n'y va pas du dos de la cuillère. Il souligne qu'il y a une coordination des actions accompagnée d'un système d'évaluation basé sur des critères essentiels d'analyse à partir desquels sont tirées des matrices de performance. C'était donc là un récit signé sous Grinoma Ibrahim Guigma sur les questions orales du Parlement hier à l'Assemblée. Le chef de file de l'opposition, de son côté, poursuit ses visites de terrain. Cette fois, Zéphirin Diabré s'est rendu à la Chambre de commerce où des questions économiques ont été évoquées. De leur côté, la présidente de la Chambre de commerce et ses membres ont salué cette initiative qui concourt à renforcer le jeu démocratique au Faso. Moumouni Soubeiga. En se rendant à la Chambre du commerce et d'industrie, l'opposition politique veut s'ouvrir à cette institution. Pour le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, la Chambre du commerce est incontournable dans la croissance économique et le développement et l'opposition souhaite une interaction avec le monde des affaires. Donc il était important que ce contact soit établi, mais au-delà de la visite de courtoisie, il est important de noter que nous avons une opposition qui entend de plus en plus s'imprégner des questions relatives à l'économie de notre pays. Avant de présenter les réformes entreprises et les actions menées par les élus consulaires, la présidente de la Chambre du commerce a félicité Zéphirin Diabré pour son élection à la tête de l'opposition politique. Les opérateurs économiques souhaitent cependant que cette opposition soit au service de la démocratie et de la promotion du dialogue et de la stabilité du pays. Nous pensons que c'est une très bonne démarche. Le secteur privé que je représente, nous voulons une opposition constructive, une opposition de paix, de prospérité et qui va accompagner le secteur privé dans son développement. Parce que c'est comme on le disait, l'argent n'aime pas le bruit. Après la Chambre du commerce, Zéphirin Diabré et ses collaborateurs prévoient d'autres visites les jours à venir pour mieux comprendre avant d'agir. Direction Pau pour une autre visite de terrain effectuée par le chef d'état-major général des armées. À l'Académie militaire Georges Namoineau, le général Traoré s'est adressé aux élèves officiers d'active, l'une des crèmes de cette institution qui, du reste, jouit d'une renommée internationale. Le reportage est signé Adama Koulibaly. C'est par les airs que le chef d'état-major général des armées a rallié l'Académie militaire Georges Namoineau de Pau, situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou. Pour cette visite à la promotion entrante qui se veut institutionnelle, c'est donc la 13e promotion des élèves officiers d'active en période de bizutage depuis décembre 2012 qui a reçu la primeur de la visite du général Honoré Traoré. Composé de 45 élèves officiers d'active, dont 26 Burkinabés et 11 autres nationalités, cette promotion compte en son sein 3 filles. On est intégré dans la promotion et on se soutient, on ne sent pas vraiment de différenciation entre garçons et filles. Personnellement, il n'y a pas de problème, on se sent à l'aise. Il n'y a pas d'étrangers ici, il n'y a pas de pays amis. Depuis que nous sommes ici, là, nous nous sentons vraiment intégrés. Entre visite des salles de classe et des dortoirs, le général Traoré s'est entretenu avec le commandement de l'académie et les différents chefs de l'armée, puis avec les élèves officiers à travers ce retour aux sources, puisqu'il a lui-même été commandant de cette académie entre 1989 et 1993. À travers les matières qui sont dispensées, justement l'officier acquiert les savoirs,
des savoir-faire et des savoir-être conformes justement à son statut, mais aussi conformes à la mission qu'il aura sur les théâtres d'opération. Donc nous voulons des officiers dynamiques, ingénieux, réactifs, qui prennent des initiatives et qui commandent surtout. L'Académie militaire Georges Noamanou, du nom de cet officier élève décédé en formation, accueille des civils et sous-officiers. La vie militaire, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de privations. Nous avons seulement voulu réglementer un certain nombre de choses et nous avons également pris des dispositions pour que ceux qui viennent du civil aient le temps au niveau physique de se mettre en bonne condition. Le chef d'état-major général des armées a surtout incité les élèves officiers à faire leur cette citation de Herbert Spencer. Le plus grand but de la formation n'est pas le savoir mais l'action, mais aussi savoir pour commander, telle la devise de l'Académie. Quatre grands piliers fondent la loi de finances 2013 et ils ont été présentés aux acteurs de la société civile à Ouagadougou. Le budget de l'État gestion 2013 a ainsi fait l'objet d'une conférence qui aura édifié plus d'un au nom d'une meilleure gestion de la chose publique. Les précisions avec Abdoul Rasmane Zongo. Acteurs d'ONG, de mouvements associatifs et de la société civile sont allés hier à l'école de la compréhension de la loi de finances 2013. Ils ont de ce fait eu droit à une présentation du budget de l'État gestion 2013. Nous avons parlé des priorités que le gouvernement se donne au titre de l'année 2013. Ces priorités sont au nombre de quatre. Le renforcement des piliers de la croissance, le renforcement des secteurs sociaux, la bonne gouvernance économique et la question de la sécurité intérieure. La préoccupation des organisations de la société civile ont tourné pour l'essentiel sur la question de la charité de la vie, également sur la question du dialogue social. C'est vrai, le niveau de croissance que nous avons constaté cette année est certes relativement important, mais ne permet pas fondamentalement d'impacter de façon significative le niveau de vie. Mais nous pensons que les efforts qui sont faits dans le sens de l'amélioration de cette croissance-là devraient à terme permettre cela. La communication de l'orateur du jour aura permis d'éclairer davantage la lanterne des participants quant aux quatre grands axes du budget 2013, son exécution et sa prise en compte des préoccupations des populations burkinabées. Et dans cette même lancée, les membres de la commission mixte paritaire de négociation salariale du secteur privé se forment sur les nouveaux indicateurs de la politique salariale. Au sortir de cette rencontre, les participants pourront mener des sessions de négociation claires, basées sur des principes pertinents et consensuels. Ramatou Zida, Jacques Lamissa Darpaga. Cette rencontre devrait permettre de renforcer les capacités des institutions chargées de faire des propositions en matière de fixation des salaires. Elle intervient en prélude aux négociations salariales du secteur privé. Pendant deux jours, les participants devront se familiariser avec les indicateurs de la politique salariale, dégager un consensus autour de cet indicateur et définir un seuil de valorisation des salaires minimaux. Et comme nous sommes appelés, employeurs et travailleurs, à nous concerter, à nous entendre, pour la fixation de salaire, c'est normal que l'on se prépare en conséquence. C'est pourquoi nous disons qu'il était bon que l'on outille les séminaristes des rudiments élémentaires, je peux dire, qui doivent conduire à l'élaboration et à la fixation de salaire, en accord parti. Le secteur privé constitue aujourd'hui un important moteur de croissance et d'évolution socio-économique au Burkina Faso selon le gouvernement et l'action des partenaires sociaux en matière de négociation est fondamentale pour l'apaisement des revendications dans le monde du travail. Les textes de l'Organisation internationale du travail laissent le soin aux négociations collectives de déterminer les salaires minima. Ce sont les partenaires sociaux qui doivent le faire. Donc le fait que cet atelier se tienne permettra aux différents partenaires de s'entendre sur les bases, c'est-à-dire les indicateurs permettant d'évaluer le salaire minimum, de rehausser le salaire minimum quand c'est nécessaire.
La commission mixte paritaire de négociation salariale du secteur privé prévoit pour les années à venir les négociations sectorielles, l'objectif étant de prévenir des conflits, de renforcer le dialogue social, améliorer la productivité ainsi que les conditions de vie et de travail des salariés. Je vous le disais tantôt, le Burkina Faso a obtenu le statut de pays conforme en matière de transparence dans les industries extractives. Mais voilà, comment consolider cet acquis? Le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE, prend les devants avec l'appui de la Banque mondiale. Ensemble, il porte l'initiative d'une programmation post-conformité qui fait l'objet d'un atelier Pélagie Bempanomé Samadoko. Les produits forestiers non ligneux couvrent 70% du territoire national selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ces ressources naturelles sont de plus en plus détruites ou mal exploitées. Pourtant, leur valorisation contribue grandement à l'amélioration des revenus des populations rurales. Cet atelier sur la valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques a été initié par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique afin de fournir des arguments économiques pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Au niveau du Burkina Faso, nous avons plus ou moins des exemples concrets. On s'est rendu compte que pour lutter contre la pauvreté, pour améliorer vie des populations rurales, pour émanciper plus la femme, s'il y a bien un secteur qui est source de valeur, qui est source d'emploi, c'est le secteur, par exemple, dont relèvent les produits forestiers non ligneux. Cette rencontre est une première du genre dans la sous-région. Les experts ont 4 jours pour échanger et partager leur expérience sur la valorisation de la biodiversité. Ils vont aussi examiner les mesures incitatives afin de promouvoir la compréhension mutuelle. La rencontre devrait permettre l'intégration des valeurs de la biodiversité dans la planification politique et dans les prises de décision. Vous l'aurez rectifié, il s'agissait donc là d'un reportage de Pélagie Sawadogo, mais sur la biodiversité. Nous reviendrons dans la suite de nos éditions sur l'élément portant sur donc la post-conformité du Burkina Faso. Et nous poursuivons. En matière d'anticipation, la région du Nord se place parmi les meilleures. Et pour cause, Madame le gouverneur a réuni les forces vives, les coutumiers et toute personne ressource de la ville de Kaya autour de la commémoration du 11 décembre. En décembre 2015, le chef-lieu de la province de San Matenga a été désigné pour abriter les festivités officielles et les ressortissants ne comptent pas perdre la face. Claudine Bikaba. Le 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sera commémoré à Kaya dans la région du Centre-Nord en 2015. D'ores et déjà, l'ensemble des forces vives de cette localité se mobilisent pour les préparatifs. C'est dans ce contexte que se situe cette rencontre qui réunit les coutumiers, les religieux, les forces vives et les personnes ressources de cette région. Elle est initiée par Madame la gouverneure qui entend relever les challenges de ce rendez-vous important avec l'ensemble des composantes de cette région. Un pari qui semble être sur la bonne voie. Au regard de l'ampleur de la tâche à abattre, vous conviendrez avec moi qu'il est plus que temps de se mettre au travail et jeter les bases d'une organisation réussie. Ce cadre de concertation a été mis à profit pour présenter le rapport sur les engagements et les recommandations formulées lors de la visite du Premier ministre dans la localité le 27 janvier dernier. Il a été aussi question des préoccupations de l'heure. Il s'agit de perfectionner le comité d'organisation de ces festivités. La rencontre d'aujourd'hui va donc nous permettre d'échanger autour de la composition de la cellule dans la perspective de son opérationnalisation. La célébration du 11 décembre rime également avec le développement. C'est pourquoi le renforcement de la cohésion, le désenclavement et bien d'autres chantiers et défis à relever ont été évoqués pour que la fête nationale en 2015 soit réussie et qu'elle corresponde avec les aspirations de la population.
Et on en vient à la tournée de la Caisse nationale de sécurité sociale en Côte d'Ivoire dans le but de rallier le maximum de la diaspora à l'assurance volontaire. Une assurance avec des conditions souples et bien comprises par les Burkinabés vivant à Bouaké et Yamoussoukro. Dans ces localités où réside la majorité de la diaspora, c'était une ambiance des grands jours. Roger Kam, Nicolas Ziani. Dans ces deux villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est avec la même ferveur que les administrateurs de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été accueillis. À Bouaké comme à Yamoussoukro, les Burkinabés résidents ont tous loué la volonté du gouvernement qui ne ménage aucun effort à leurs préoccupations, surtout en instituant l'assurance volontaire qui permet aux travailleurs indépendants de bénéficier de pensions de retraite après avoir cotisé pendant 15 ans. Mais à partir d'aujourd'hui, tous mes enfants, je vais les conseiller. Et mes entourages, ceux qui ont des jeunes qui peuvent cotiser, je vais les conseiller de faire. C'est une bonne chose. Nous, on croyait que c'était les fonctionnaires seulement, celui qui travaille au bureau, qui doit avoir la retraite. Or que maintenant, tu peux avoir la retraite, même si tu es dans ton champ. Actuellement, Kakao aussi ne donne pas. Donc, compte tenu de cela, même si vous êtes assuré d'une société, je pense qu'à la longue, là, maintenant, vous pouvez bénéficier de votre épargne. C'est une très bonne chose. Mais notre préoccupation, est-ce que ça peut aller? C'est tout ce qu'on se demande. La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale se veut explicite car toutes les dispositions ont été prises pour ne pas flouer les souscripteurs. Il n'y a rien sans risque. Mais nous avons travaillé à minimiser les risques. Partout où nous sommes passés, nous avons dit que nos partenaires ne doivent pas manipuler l'argent. C'est-à-dire que nous avons demandé à tout un chacun de ne pas verser les sommes entre les mains de notre partenaire principal et plutôt d'aller vers les banques. Selon les statistiques, 10% des Burkinabés tirent profit de la protection sociale et plus de 80% de ceux résidant à l'extérieur ne bénéficient d'aucune protection. Ce qui constitue une charge lorsque ces personnes n'auront plus de force pour exercer une activité. Pendant ce temps, à Ouagadougou, l'assurance maladie universelle est toujours prônée. Le ministre en charge de la sécurité sociale qui pilote le projet sollicite l'appui des acteurs mutualistes. Pour ce faire, il leur a demandé de faire des propositions et de formuler des recommandations pour que l'assurance maladie universelle soit une réalité au Burkina Faso. Nathalie Sawadogo, reportage. Après sa rencontre avec les forces vives de la région de l'Est et du Centre-Est, c'est au tour des acteurs mutualistes d'accueillir le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Sécurité sociale dans la salle de conférence du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Vincent Zakané est venu présenter le projet de mise en place de l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles sociales au Burkina Faso. Il a sollicité leur contribution pour parfaire sa mise en œuvre annoncée. Aujourd'hui, la concertation se mène avec les acteurs de la mutualité, c'est-à-dire les représentants des mutuelles sociales qui existent à travers notre pays. Je dois dire que ces acteurs ont été de véritables pionniers pour le développement des mutuelles de santé dans notre pays. Ils ont une longue expérience. Nous travaillons avec ces acteurs afin de leur présenter le projet du gouvernement, de recueillir leurs observations, surtout sur la stratégie de mise en œuvre de ce système, sur les options stratégiques qui ont été faites par le gouvernement, ainsi que sur les paramètres techniques. Donc c'est une grande rencontre sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Pour la représentante des mutualistes, l'assurance maladie est une de leurs préoccupations que l'État vient de solutionner. Ils sont plus que jamais déterminés à accompagner le gouvernement pour sa réalisation effective. Donc nous pensons ici que c'est un des vœux qui est réalisé, en partie déjà par cet engagement politique fort. Et nous pensons bien que ces concertations vont permettre donc de définir les stratégies et aussi de donner des orientations pour que tous les acteurs puissent s'engager réellement. Nous, en tant qu'acteurs mutualistes sur le terrain, mais aussi la partie étatique et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le Burkina. Au sortir de cette rencontre, les acteurs mutualistes devraient faire des propositions et formuler des recommandations pour une mise en œuvre réussie du projet qui va servir les intérêts de toutes les populations burkinabées dans le domaine de la santé.
Dans la suite de ce Midi Magazine, la lutte contre l'excision se poursuit à travers des sensibilisations massives sur les conséquences néfastes de la pratique. Dans le Nord, l'association AMI a choisi d'y aller avec la presse pour se faire entendre des populations. La caravane à laquelle a pris part Abdoul Rasmane Zango est allée de Waïgouya à Kerga, village situé dans la commune de Barga. Kerga, village de la commune de Barga au nord du Burkina Faso, a abrité le cérémonial de clôture de la caravane de lutte contre la pratique de l'excision. C'est une initiative locale qui, pendant plusieurs semaines, a permis de parcourir tout Waïgouya à vélo pour porter le même message, non à la pratique de l'excision. Et dans toutes les 13 communes, il y a eu une très forte mobilisation. Et au cours des échanges, il y a eu vraiment des engagements qui ont été pris et les gens nous ont donné l'assurance que la pratique est abandonnée. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de rester vraiment en veille. Il y a une loi qui a été votée depuis le 13 novembre 1996 contre la pratique de l'excision. Et à la suite de cette loi, il y a le président du Faso qui a pris un décret au cours de cette année. Donc cette loi comporte 3 articles. Bon, nous, on a été chargés d'expliquer le contenu de ces articles et ce que les exciseuses encourent au cas où ils se feront prendre. Comme pour dire non à l'excision, des femmes ont reçu des prix d'encouragement pour avoir plus tôt, avant la cérémonie, participé à une course cycliste. Nous étions dans l'obscurité et pratiquions l'excision, raconte cette femme. Nous ignorions les nombreux méfaits sur la santé, l'intégrité et la vie tout court des jeunes filles et des femmes qui en pâtissaient énormément. À présent, avec la sensibilisation, nous sommes édifiés et disons désormais stop à l'excision. À la suite de l'édition 2013 de la caravane de lutte contre la pratique de l'excision à Waïgouya, le message semble avoir été bien accueilli, mais il faut rester vigilant car c'est un combat de longue haleine. C'était hier soir en direct sur la télévision du Burkina et la moisson a été bonne pour la chaîne publique. La grande nuit du communicateur a remis trophées, attestations et plus de 22 millions de francs CFA aux hommes et femmes de médias qui se sont distingués par la qualité de leurs œuvres. Le palmarès du prix Galien 2013 nous est compté par Wendata Nathalie Kaoré. Ils étaient plus de 300 professionnels à se porter candidats dans les différents genres journalistiques pour cette 16e édition des prix Galien et parmi eux, 45 ont vu leurs œuvres récompensées. Lors de cette soirée, 25 prix spéciaux ont été décernés à des hommes et femmes de la presse qui, de par leurs œuvres, accompagnent les actions de certains ministères et institutions. Pour le palmarès officiel, 3 prix Galien ont été décernés dans la catégorie langue nationale en presse écrite, radio et télévision. Et pour les productions en langue française, 17 journalistes et techniciens de la radio, de la télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne ont été récompensés pour la qualité de leurs œuvres. Ce prix m'encourage dans un début de carrière en journalisme et ça me donne encore de la force à avancer. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. Je suis en début de carrière et ce prix ne fera que me galvaniser dans mes différentes productions. Je remercie tous ceux qui ont contribué à parfaire ce travail car le journalisme est un travail d'équipe. Le moins que l'on puisse dire est que cette édition des Galien a été celle de la radiodiffusion télévision du Burkina. La télévision du Burkina a raflé tous les 5 prix de la catégorie télévision et sur l'ensemble des 45 prix décernés, 21 sont revenus aux professionnels de la RTB. C'est un motif de satisfaction pour le premier responsable de cette structure qui s'engage à entreprendre des actions au profit des agents afin qu'ils restent toujours les meilleurs. La RTB ne pourra s'affirmer davantage que par un travail de qualité et ce qui a été démontré ce soir est la preuve d'une grande mobilisation, d'une grande motivation, d'un besoin de signer la belle RTB. Nous, au niveau de l'administration, nous allons nous employer véritablement à accompagner cette belle dynamique et faire en sorte que ce qui constitue des acquis ce soir en termes de récompenses puisse se consolider. Les prix spéciaux, tout comme les prix Galien, sont composés d'un trophée, d'une attestation et d'une somme de 500 000 francs CFA.
En plus de cela, des ordinateurs portables ont été promis aux lauréats des prix spéciaux offerts par le ministère de l'Éducation nationale. Et si nous nous intéressions maintenant à l'ambiance même qui régnait en cette soirée, des artistes et humoristes ont tenu à accompagner ceux-là qui font leur promotion au quotidien. Il y avait fort à voir hier à la salle des banquets de Ouagadougou, Frédéric Étienne Bassenga. Une cérémonie riche en couleurs pour célébrer l'excellence dans les médias du Burkina Faso. Pour la 16e fois, sans arrêt, le tapis rouge a été déroulé aux femmes et aux hommes qui se seront le mieux illustrés dans les différents métiers de la presse. Prestations musicales, dosées d'un peu d'humour, tous les ingrédients étaient réunis pour faire vivre une soirée glamour aux journalistes et aux milliers de téléspectateurs à travers le Burkina Faso. Les griots du Moronaba, Awa Boussine, Greg Solodia Kabako, mais aussi Gombo.com ont donné de l'air à cette cérémonie qui a permis de distinguer 20 professionnels dans la catégorie palmarès officiel. Je pense que vous avez tous suivi cette soirée. On a essayé de l'organiser au mieux. Et on a essayé de lui donner tout son sens, c'est-à-dire rendre hommage à la profession à travers cette nuit du communicateur, à travers ces prix galliens. Si les journalistes sont heureux ce soir, c'est que nous sommes un homme heureux aussi. Pour le président d'honneur Mahamoudou Edraogo, géniteur des prix galliens, cette 16e édition tranche avec les premières. C'est comme le jour et la nuit, dira-t-il, d'où sa satisfaction. Au début, les galliens, malgré leur vocation à servir toutes les professions liées au métier du journalisme et de la communication étaient surtout les résultats de compétitions à l'intérieur de la télévision nationale. Ce n'est que petit à petit que cette compétition a atteint l'audiovisuel dans son ensemble avec la radio et après la presse écrite et par la suite dépasser le cadre de la presse d'État pour aller à la presse privée dans le même pays. Donc vous voyez que c'était vraiment très différent. Et c'était à une époque où, en fait, la télévision ne mettait pas 7 jours sur 7 au début. Elle émettait quelques jours seulement sur 7 et la radiodiffusion émettait quelques heures par jour. Donc les différences sont nombreuses. Et enfin, il y a le nombre. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes. La télévision n'avait même pas 6 journalistes. Vous voyez, et à l'heure actuelle, c'est un bataillon. Mahamoudou Edraogo a également invité les journalistes lauréats à poursuivre dans l'excellence. Il a par ailleurs exhorté les patrons de presse à se pencher sur les conditions de vie et de travail des journalistes, car dira-t-il, la misère conduit à un journalisme de misère. C'est donc dans une bonne ambiance que rendez-vous a été pris pour la 17e édition, dans l'espérance de voir des productions de plus belle facture qui respectent les genres journalistiques, l'éthique et la déontologie. Voilà, et toutes nos félicitations à ceux-là qui ont été primés. Et l'un des partenaires de la 16e édition des Galliens met sur le marché une technologie qui va ravir les plus avertis. Il s'agit de l'opérateur mobile Airtel et surtout de sa 3G75 pour les profanes. C'est une connexion Internet à très haut débit accessible via les téléphones mobiles. Pour l'instant, ce sont concernés les abonnés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ouidja Rokiasanou. La 3G75, c'est le nouveau produit mis à la disposition des clients par Airtel Burkina. Elle s'adresse principalement aux utilisateurs de Internet à partir des téléphones mobiles et serait une avancée notoire dans le domaine en termes de débit. Il y a une véritable révolution en matière de vitesse de communication, de données, les applications de données, notamment l'Internet. Entre la 2G, où les débits en GPRS sont assez modestes, et la 3G où on va beaucoup plus vite. Donc comme le DG l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du supersonique quand on le compare à la 2G. Depuis janvier, des abonnés testent déjà la 3G. Aujourd'hui, nous voulons annoncer que nous sommes fin prêts et que nous avons la dernière technologie 3G, 3.75G, c'est-à-dire que c'est juste avant la 4G, c'est véritablement le top de la technologie 3G. Et nous sommes les seuls à l'avoir. Pour un téléchargement qui durait 10 minutes, la 3G75 permet de faire la même opération en une vingtaine de secondes selon ses promoteurs. Cela est très important pour les professionnels qui n'ont pas le luxe d'attendre. Parce qu'il faut envoyer un fichier scanné pour valider un contrat. Il faut faire une vidéoconférence rapidement avec un partenaire qui est à l'autre bout du monde pour discuter et conclure un partenariat. Et même pour les populations qui en font un usage à domicile, nous n'avons
pas changer la facturation, donc ils peuvent expérimenter le service au tarif normal. Pour y avoir accès, il faut bien entendu un téléphone compatible et le reste se détermine au niveau de l'option paramètres. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, Airtel Burkina promet la couverture d'autres villes du pays très prochainement. Et nous rappelons que la télévision et la radio nationale, c'est aussi sur Internet à l'adresse www.rtb.bf. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles et bon week-end à toutes et à tous.